pas de s'élancir. Ni même sa purée, ni son cire ébouillissante, ni blanc qu'on peut couler. Elle a dû prendre des cours avec Casimir Olia. C'est la reine du groupe Iboudia. J'ai les chaleurs, les chansons, c'est dire de malheur. Si jamais vous allez manger chez elle un coup, vous saurez à quoi vous attendre. Ça va toujours? Ouais. Bon alors dehors ils sont fin chauds. Ça va toujours à droite? La banane. Alors, est-ce que le cœur vous y redondirait-il là? Ouh là là, ce soir, c'est, ouais, c'est le troisième soir de suite. C'est Dyslexie & Co. C'est, oui, c'est fou là. Est-ce que le cœur vous en dirait-il de taper dans les mains sur cette mélodie avec nous? Après, faut arrêter naturellement, oui, hein. Parce qu'après le concert s'arrête, vous êtes pas réussi à expliquer tous les détails. Est-ce que le cœur vous en dirait-il de taper dans les mains et de sauter en même temps sur cette mélodie? Ouais. Attention, 1, 2, 3. Est-ce que le cœur vous en dirait-il de taper dans les mains, de sauter, de chanter en même temps cette mélodie? Ouais. Attention, 1, 2, 3. La 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 la. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, à bientôt. Petite. Mais non, c'est pas vrai. Ils sont Calimero comme depuis tout à l'heure. Je déconne. On va faire une petite balade. Et à chaque fois que vous entendez cette mélodie, vous avez une mission. Sauter, taper et hurler, faire du bordel, ça marche. Marie-Rose est née ce matin, c'est un bon bébé, joue plus 4 kilos selon les médecins. Bizarre, on dirait qu'elle fait plus. Elle a pas un tache de rousseur sur son petit postérieur, mais sa particularité, c'est qu'elle arrête pas d'hurler, elle est chiante comme bien la coupe. Marie-Rose,
Marie-Rose a 25 ans, elle est fraîche comme le printemps. Elle est la bras dans le poteau, la flotte jusqu'à. Elle est tombée sous le charme, elle a un chien de bidon. On comprend pas très bien pourquoi, mais la gueule de bras, vous pouvez lui cacher quelque chose. C'est ça, Marie-Rose. Marie-Rose a 30 ans et demi, lui manque du temps quand elle se lit. Mais sa dernière bonne idée, c'est qu'elle veut avoir un bébé. Elle se glisse humanitaire, un paguillon, c'est certain. Elle a déjà choisi les prénoms, pour les garçons, ça sera Léon. La fille s'arrive avec Simon. C'est ça.